Yep les gens, c'est Verxius. Alors aujourd'hui on se prend une nouvelle astuce Kama, donc sur le serveur héroïque. Donc cette astuce marche vraiment énormément. Donc on va commencer déjà par enlever le commerce et recrutement. Donc cette astuce va consister sur les potions de Brakmar. Donc on va directement aller voir à l'HDV. Vous allez voir le prix qui est vraiment très cher. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ça coûte autant, parce que le craft est vraiment très simple. Donc vous allez voir donc. Donc ne craftez pas les popos de Bonta parce que ça vous coûtera plus cher à les craft. Enfin, ou un peu moins cher. Donc vous voyez, 90 000 kamal et 100 popos de braque. Donc au pire des fois, elles sont à 15 000 kamal et 10. Donc vendez-les par 10, ça fait 150 000. Donc ça fait quand même beaucoup plus de kamal en plus. Donc là, vous voyez, ça fait 10 000... Ah non, mais c'est exactement pareil, pardon. Donc vous voyez que 100 000 kamal, mais vous voyez, il y a du riz. Il faut du riz. Et le riz coûte... 50 000 kama ou 35 000 kama les 100, donc ça coûte un peu cher. Donc on va directement aller à l'HDV des paysans. On va commencer par là. Donc j'ai pris juste 300 000 kama. Donc on va acheter, donc vous allez voir le riz combien il coûte. Donc vous voyez, riz 40 000 kama, donc ça vaut vraiment pas le coup. Plutôt faire du seigle. Donc vous voyez, seigle 10 000 kama eu. Donc ouais, donc il me reste pour 400, donc j'en ai acheté 300, donc attendez. Voilà, popo. Là, on va aller à l'HDV des mineurs. Donc cette technique est super facile, il vous suffit juste d'avoir un peu de kama. Donc avec 50 000 kama, il vous suffit juste par exemple de 50 000 kama et vous pouvez faire 100 potions. Oui, l'HDV mineur est en bas. Donc là, c'est une mule check. C'est pas mes deux persos. Donc du coup pour l'aventure suivie, si vous regardez, je devais la sortir le lendemain de la sortie du premier épisode. Mais malheureusement en fait, j'ai comme un début, je suis mort sur des monstres. Sur un archi-monstre et du coup j'ai pas pu continuer la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, donc on va craft 300, donc vous voyez 40 000 kama. Donc on fait, donc en tout 10 000, donc ça fait 30 000. Là ça fait 120 000. Donc ça fait 150 000. 1, 3, voilà, 150 000. Hop. Maintenant on va aller les craft à l'atelier des alchimistes. Donc dès que je les ai craft, je remets directement la... Donc voilà, donc là on arrive à la fin du craft des 300 potions de Brakmar. Donc je dis merci à LOL, pardon, qui est un alchimiste de level 100. Donc merci à toi. Donc on va maintenant aller à l'HDV des alchimistes pour les vendre. Donc vous allez voir que ça m'a coûté seulement 150 000 kama à craft. Surtout que ces potions se vendent vraiment très très rapidement. Donc du coup par contre moi je vais en garder 100 en banque, parce que j'en ai besoin pour remonter mes persos après pour aller à Brakmar. Étant donné que ça vaut cher, je préfère les garder plutôt que les vendre. Donc vous voyez donc la vente. Donc ça fait... Donc je vais en mettre que 200. Donc là... Donc voilà, hop. Oups, excusez-moi. Donc hop, on met les deux calculatrices. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, donc ça coûte 88 000. Donc on va mettre juste un camion moins cher. Donc 973. Donc je fais que 2 parce que je veux garder les 100 popos. Donc vous, vous faites x3, bien sûr, si vous en faites 300 du coup. Donc 88. Ben je vais arrondir aussi parce que j'ai arrondi pour les 150 000 camas. Donc 90 000. x3 égale 270 000, vous voyez. Donc maintenant on fait 270 000 moins 150 000, ça fait 120 000. Donc vous voyez, hop, 120 000. Donc ça fait 120 000 kama de bénéfice en 2 secondes. Surtout que ça se vend hyper rapidement. Aussi vous pouvez vendre par dizaines, ça se vend plus cher, mais bon, ça met peut-être, en fait ça se vend plus de fois, mais ça mettra plus, peut-être plus de temps, parce que quand vous les vendez par 100 en un achat, vous avez vendu votre pack. Alors que quand vous les vendez par 10, il suffit que quelqu'un d'en remettre par 10 à un kama moins cher et c'est un peu chiant. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc j'espère que ce petit tuto par un kama sur le serveur héroïque vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Allez, ciao ciao les gens.